En 2009, à Belley, dans l'Ain, Vanessa vit seule avec ses deux enfants depuis sa séparation. Elle a accepté d'héberger une de ses amies, Karine, qui traverse une période difficile. Mais le 29 juillet, tout bascule lorsque la petite fille de Vanessa, Samia, chute du sixième étage. Pour les parents de la jeune fille, c'est un drame. Si la piste de l'accident est d'abord privilégiée, les enquêteurs vont se rendre compte que l'enfant a en réalité été poussé du sixième étage, volontairement. Et les soupçons se tournent alors vers Karine. Alors Vanessa, la maman de Samia, elle confie aux gendarmes qu'elle trouve très étrange le comportement de Karine, cette amie. Elle trouve qu'après ce drame qui a bouleversé tout le monde, Karine a une réaction froide, étrange, détachée. Exprime aucune émotion. Au moment des funérailles, de la veillée funèbre, etc., elle dit rien, elle n'est pas affectée, elle verse pas une larme. Et en se penchant sur le passé de la jeune femme, les enquêteurs vont faire des découvertes stupéfiantes. Karine n'en serait pas à son coup d'essai. Celle qui a défrayé la chronique pendant plusieurs années cacherait donc de lourds secrets. Alors, ce qui fait basculer également l'enquête, c'est le témoignage de Brigitte, qui est la sœur de Karine. Elle va expliquer qu'en 89, déjà, sa sœur Karine avait été suspectée d'avoir poussé un jeune garçon de 4 ans, Alexandre, dont elle avait la garde. Pour elle, l'enfant est quand même source plus ou moins de malheur, quoi. Je pense qu'il fait obstacle à son bonheur. Il faut annuler l'enfant parce qu'il est, il est source de malheur pour elle. Il est environ 19h30, 19h40. Il fait très chaud et très beau. Nous sommes dans une cité paisible de Belley, où tout le monde se connaît. Une voisine marche dans les allées et repère à quelques mètres d'elle quelque chose qu'elle ne peut pas définir. Elle s'approche. Au départ, elle pense que c'est une poupée, puis elle reconnaît le corps d'une fillette tombée, et à côté d'elle, une poupée. Elle jette un œil et pense au départ que c'est rien qu'une chute de l'enfant de sa propre hauteur. Immédiatement, on reconnaît la petite Samia. Elle va crier, appeler les parents qui se trouvent au sixième étage, donc plus haut dans cet immeuble, et qui sont précisément à ce moment-là sur la terrasse de l'appartement, donc ils vont entendre les cris de cette voisine. Le père de cet enfant va regarder au pied de l'immeuble ce qui se passe, pourquoi est-ce qu'on l'appelle, et va descendre en catastrophe, évidemment, pour rejoindre son enfant qui est encore à ce moment-là au sol. Âgée de 2 ans, Samia est la fille de Vanessa et Majdi. La famille a emménagé dans le quartier du Clos Morcel depuis maintenant plusieurs années. Avec ses deux frères aînés, Samia joue souvent dans les jardins de la cité. Et Samia est une petite fille que tout le monde connaît au Clos Morcel, que tout le monde adore d'ailleurs. Tout le monde parle de la petite Louloute, d'ailleurs c'est son surnom qui ressort. Les parents sont séparés, mais ils sont parfaitement aimants. Elle est parfaitement intégrée dans sa fratrie. Il n'y a aucune difficulté particulière de prise en charge éducative. C'est une famille qui s'aime, où on s'aime, où certes on se sépare, mais où ça ne change rien sur la prise en charge des enfants. C'est une famille où tout va bien, en quelque sorte.
Séparée du père de ses enfants, Vanessa héberge depuis 3 jours Karine, une de ses amies, qui traverse une période compliquée. C'est des anciennes voisines, elles se sont connues 7 ans auparavant, elles ont été voisines à Belay. Bon, elles semblent s'entendre plutôt bien, c'est pas forcément les meilleures amies du monde. Bon, Vanessa, la maman de Samia, elle lui dit, bah écoute, reste quelques jours, je t'héberge et après tu rentres du côté de Serres où tu habites. Karine, c'est quelqu'un de fragile. Elle a accumulé les relations sentimentales, pensant à chaque fois que c'était le prince charmant qui était là. Elle a eu 3 enfants de 3 pères différents, 3 pères qui l'ont abandonnée et qui ne se sont pas occupés outre mesure du sort de leur propre enfant. C'est une femme qui a une carrière professionnelle assez simple, plutôt tournée vers les autres, puisqu'elle a travaillé en milieu hospitalier et travaillé dans des maisons de retraite. Elle a cumulé les petits métiers pour essayer de faire vivre ses enfants qui n'étaient pas aidés de la manière la plus extraordinaire par leur père. Âgés de 7, 8 et 11 ans, les enfants de Karine sont actuellement en visite chez leur père. Peu entourée, cette mère célibataire voit donc son séjour chez son amie Vanessa comme une bouffée d'oxygène. Sur son séjour, elle est plutôt enjouée, heureuse d'être là, de revoir les gens qu'elle avait pu côtoyer des années auparavant à Belay. Karine va séjourner chez la mère de Samia pendant 2 ou 3 jours. Aucune difficulté, une relation normale, de promenade, de déjeuner, de course ensemble. Absolument une relation tout à fait normale pendant 3 jours. Aucun différent. Tout se passe plutôt bien, jusqu'au jour du terrible accident de Samia. Alors le 29 juillet, à la fin du repas, Majdi et son ex-compagne décident d'aller fumer une cigarette dans une sorte de petite loggia à côté du salon. Karine, elle, reste manifestement dans le salon sur l'ordinateur et les enfants sont dans l'appartement. La petite Samia, en fait, jouait sur le lit de la chambre parentale. Et son frère aîné, qui est âgé de 6 ans, regarde la télé. Alors il est, comme les enfants de cet âge, il est vraiment focalisé sur la télé. Alors Vanessa, la maman de Samia, appelle « Karine, viens voir », peut-être pour fumer une cigarette aussi. Karine, elle passe la tête par l'entrebâillement, elle dit « J'arrive, je vais prendre mon téléphone ». Et donc elle retourne dans le salon pour chercher son téléphone. Et là, il se passe, alors selon le papa, 1 minute, peut-être 2 minutes. Hein, je crois qu'il évalue qu'il a quasiment fini de fumer sa cigarette. Et Karine revient donc sur ce balcon. Et c'est dans cet entretemps, en quelque sorte, que manifestement l'enfant chute, peu de temps après le retour de Karine sur la terrasse. Majdi va entendre cette voisine, ce témoin, crier du pied de l'immeuble qu'un accident gravissime manifestement a eu lieu. Les pompiers arrivent, ils tentent une réanimation. Elle avait des fractures au niveau des cervicales, probablement une hémorragie interne également. Les enquêteurs imaginent immédiatement que cette petite fille est tombée accidentellement de l'appartement du 6e étage et ils vont ouvrir une enquête classique d'accident. Ils vont vérifier simplement dans quelles conditions elle a pu effectivement tomber par cette fenêtre. Ils vont d'abord, dans ce cadre-là, faire une enquête de voisinage, entendre les différentes personnes à proximité, mais aussi, plus généralement, sur la famille elle-même. Est-ce qu'ils ont pu entendre des difficultés dans l'appartement? Est-ce qu'il y avait des difficultés de prise en charge éducative? Est-ce qu'il y avait des difficultés de ce type-là? Il s'avéra manifestement que ce n'était pas le cas. Et ils vont faire aussi des vérifications techniques dans l'appartement et notamment sur les fenêtres de cet appartement. Ils vont relever notamment dans l'embrasure de la fenêtre du salon une empreinte digitale qui pourrait correspondre à l'empreinte d'un enfant.
On sait que une chaise était proche de cette fenêtre du salon, qui était effectivement ouverte, mais avec des volets baissés sur à peu près, disons qu'il restait un jour d'une vingtaine de centimètres. Donc, ça paraissait pas impossible que la petite ait pu grimper sur cette chaise, essayer de voir, se pencher. Ça paraissait pas complètement impossible, on va dire, au soir de l'accident. Sur la présence d'une chaise sous la fenêtre du salon, c'est important, hein, du salon et non pas de la chambre, en réalité, quand ils arrivent, il n'y a plus de chaise, il n'y a pas de chaise disposée. Mais au cours de l'enquête, ils vont entendre une des voisines qui est rentrée rapidement dans l'appartement pour venir au soutien des parents qui vivent un drame. Et cette voisine va expliquer que, en rentrant dans l'appartement, elle a constaté la présence d'une chaise sous cette fenêtre et qu'elle-même a replacé, pour éviter un suraccident, il y a des enfants, il y a d'autres enfants, elle a elle-même replacé la chaise sous la table et elle a fermé la fenêtre. Donc on a à ce moment-là la quasi-certitude qu'il y avait bien une chaise sous la fenêtre du salon de l'appartement des parents. Dans l'appartement, les expertises se poursuivent. Après le salon, c'est au tour de la chambre parentale d'être inspectée. Les investigations qui sont faites dans la chambre permettent de relever qu'il n'y a aucun élément qui permette de considérer qu'un meuble ait été déplacé, qu'une chaise ait été tirée, qu'une table de nuit ait été déplacée par un enfant pour monter jusqu'à la hauteur de la fenêtre. Il n'y a aucun moyen possible pour un enfant de 2 ans de grimper jusqu'à l'embrasure de cette fenêtre et de chuter dans le vide. La première hypothèse qui va être émise par les services d'investigation est assez simple, c'est-à-dire que cette petite fille serait montée sur un meuble, une chaise, ils ne savent pas encore à ce moment-là forcément sur quel objet, aurait mis ses mains dans l'embrasure de la fenêtre et se serait propulsée à l'extérieur. Ça semble être un type d'accident finalement, malheureusement, qui n'est pas si rare que ça, avec des enfants de 2, 3, 4 ans qui se penchent à une fenêtre ou à un balcon et qui chutent. Ça arrive plusieurs fois chaque année en France, donc pour les gendarmes, c'est pas forcément quelque chose d'inhabituel. Au service de réanimation, une équipe est toujours auprès de Samia, grièvement blessée après sa chute de 15 mètres. À 21h, malgré les efforts des médecins, la fillette de 2 ans rend son dernier souffle. Alors, il n'y a pas d'autopsie qui est demandée par le parquet de Belley à ce moment-là. On peut imaginer que le parquet de Belley a considéré qu'on était plutôt sur une thèse accidentelle et dès lors, ils estimaient que cette autopsie n'avait pas vocation à être faite, que d'ailleurs, l'examen de corps suffisait pour établir le lien de causalité certain entre la chute et la mort de cet enfant. L'enquête conclut rapidement à un accident, c'est-à-dire il repère une chaise adossé à l'encadrement d'une fenêtre. Et les premiers éléments de l'enquête disent que l'enfant est monté sur la chaise et a fait une chute accidentelle. Mais un peu plus tard, une voisine de l'immeuble d'en face va apporter un élément important à l'enquête. Elle va dire de façon très claire que cette petite fille n'est pas tombée de la fenêtre du salon, mais qu'elle est tombée de la fenêtre de la chambre. La voisine explique qu'elle a vu cette couette sécher sur la fenêtre de la chambre et qu'elle a vu le corps de cette petite fille basculer progressivement dans le vide et qu'elle l'a vu ensuite chuter. Donc on a à ce moment-là, grâce à ce témoignage, la certitude que cette petite fille n'est pas tombée du salon mais bien de la chambre. Parce qu'il faut savoir que même si la thèse de l'accident était privilégiée au début, le corps de la petite Samia n'a pas été retrouvé à l'aplomb de la fenêtre du salon mais à l'aplomb de la fenêtre de la chambre, sur laquelle une couette était suspendue avec les fenêtres ouvertes, mais on ne comprenait pas comment la petite Samia aurait pu monter sur cette couette, il n'y avait pas de meubles, il n'y avait rien. Et ça, ça change tout quand même. Parce que l'hypothèse de Samia qui grimpait sur cette chaise dans le salon et qui passait au travers d'un jour de 20 cm pour tomber, du coup, cette thèse-là ne tient plus. Et là, il faut donc aller essayer de trouver une autre explication et chercher plus loin pour les gendarmes.
Donc à partir de ce témoignage, on va changer de cadre d'enquête. On va basculer dans le cadre d'une enquête préliminaire pour des faits de meurtre sur mineurs de moins de 15 ans, puisqu'il convenait évidemment d'aller plus loin dans les investigations, d'étayer aussi les personnalités, les trajectoires des gens qui étaient présents à ce moment-là dans l'appartement. Les parents ont été interrogés, singulièrement la mère, sur la prise de risque de l'enfant par rapport à la fenêtre, et elle a démenti tout comportement dangereux, tout comportement à risque. Concernant cette chaise, Vanessa explique que lorsque le repas s'est achevé et qu'elle a quitté le salon pour aller avec son ex-compagnon sur la véranda, il n'y avait pas de chaise sous la fenêtre, elle est catégorique. Vanessa explique aussi qu'avec son ex-compagnon, en famille, ils ont procédé à une sorte de reconstitution, si je puis dire, en essayant de voir si un enfant de l'âge de Samia était en capacité physique de déplacer une chaise. Alors déjà, c'est possible, mais ça prendrait beaucoup de temps. Ça a été vérifié par les gendarmes, évidemment. Ça fait ensuite beaucoup de bruit, parce que l'enfant de 2 ans n'est pas en capacité de soulever cette chaise. Ils auraient nécessairement entendu ce déplacement de la véranda. D'autant plus que dans cette même pièce, dans ce même salon, il y avait un enfant de 6 ans, le frère aîné de Samia, qui était en train de regarder la télé, alors même focalisé sur la télé, même concentré, même si son angle de vision n'était pas tout à fait vers la fenêtre, il aurait quand même entendu la petite tirer la chaise. Et donc, il commence vraiment à se poser beaucoup de questions à ce moment-là. À l'issue des premières auditions, les gendarmes sont également très perplexes quant aux circonstances exactes du drame. Voilà, alors sur effectivement ce laps de temps pendant lequel Karine explique être allée chercher son portable, il y a distorsion dans les différentes auditions. Le couple explique que ça a duré plusieurs minutes, un temps certain. Ils expliquent aussi d'ailleurs que quand elle est revenue, elle était assez rouge, elle paraissait... elle était bizarre, c'est l'expression qu'ils utilisent. Karine, elle, va être entendue, et va dire que c'est absolument pas comme ça que ça s'est passé, qu'elle est partie quelques secondes, qu'elle est chercher son téléphone et qu'elle est revenue avec son téléphone immédiatement sur la terrasse. Alors Vanessa, la maman de Samia, elle confie aux gendarmes qu'elle trouve très étrange le comportement de Karine, cette amie. Elle trouve qu'après ce drame qui a bouleversé tout le monde, Karine a une réaction froide, étrange, détachée. Exprime aucune émotion. Au moment des funérailles, de la veillée funèbre, etc., elle dit rien, elle n'est pas affectée, elle verse pas une larme. Elle est très effacée, très absente dans ce moment de deuil compliqué. En même temps, elle va avoir des demandes aussi particulières, puisque ça a beaucoup choqué les parents postérieurement, mais elle va dormir notamment dans la chambre de Samia. Et les parents vont demander effectivement à Karine, ils vont lui proposer déjà de rentrer chez elle, ce qu'elle va refuser, elle va décider de rester sur place. Et ils vont lui demander aussi d'arrêter de dormir dans le lit de leur fille. C'est vrai que quand on perd quelqu'un, quelle que soit sa personnalité, quelle que soit sa religion, quelle que soit sa pensée, souvent on érige la chambre ou les lieux d'intimité de la personne décédée comme une sorte de mausolée, c'est-à-dire d'endroit où on ne va pas, d'endroit qu'on respecte. Karine va entendre les demandes des parents, mais elle ne va absolument pas s'y plier puisqu'elle va continuer à dormir tous les soirs jusqu'à son départ dans le lit de Samia. La mère de Samia est interrogée sur la relation que Karine pouvait avoir avec ses enfants et elle dit qu'elle est parfaitement normale, pas plus enjouée qu'indifférente. Elle a un comportement assez isotherme. Elle ne s'occupe pas particulièrement de Dimitri, pas particulièrement de Samia. Ils ont le sentiment qu'elle vient surtout pour les rencontrer, eux, adultes. Et la fratrie, elle est là, et elle vit avec eux, mais sans attention particulière et sans geste d'affection particulier. Les gendarmes vont poursuivre davantage. Ils vont apprendre que Karine avait un jour jeté par la fenêtre un lapin, animal domestique de ses enfants, jeté par la fenêtre des serviettes hygiéniques. Bref, des comportements troublants. Elle avait aussi une tendance qui est relevée par la famille de Samia, une tendance à la kleptomanie, tendance à voler et à contester ensuite, lorsque manifestement, à l'évidence, elle avait soustrait des effets, elle contestait systématiquement l'avoir fait. Après chaque larcin de son ancienne voisine, Vanessa tempérait et finissait par lui pardonner. Les gendarmes creusent pour savoir s'il y a pu
y avoir une difficulté dans les relations entre Karine, la mère de la victime, le père, un différend qui aurait pu dégénérer. On ne trouve absolument rien. Une relation normale, paisible, d'amis qui reçoivent une amie. Les gendarmes vont s'intéresser à la personnalité de Karine, et bien sûr à son passé judiciaire. Ils vont relever 3 mentions à son casier pour des vols, des attitudes qui sont plus proches de l'incivilité grave que du crime. Pour des infractions d'atteinte aux biens, vol, escroquerie, falsification de chèques, elle a le profil plutôt d'une... quelqu'un qui s'est adonné pendant un temps assez circonscrit à des actes de soustraction frauduleuse. Pas de violence, pas de passage à l'acte sur les tiers au casier judiciaire, essentiellement des atteintes aux biens. Mais néanmoins, le casier de l'intéressé va permettre aux gendarmes de commencer à tirer un fil d'une pelote qui va s'avérer dramatique. Alors, ce qui fait basculer également l'enquête, c'est le témoignage de Brigitte, qui est la sœur de Karine. Karine, c'est l'aînée de la fratrie, hein, il y a 3 sœurs et un frère. Et cette Brigitte, elle révèle des faits troublants. Alors elle vient voir les gendarmes et elle dit « ça fait des jours que j'endors pas, je sais que ma sœur y est pour quelque chose, dans la mort de Samia, c'est elle a dû faire quelque chose. » Pour étayer cette accusation grave, hein, gravissime, surtout venant d'une sœur qui connaît très bien Karine, elle va expliquer qu'en 89, déjà, sa sœur Karine avait été suspectée d'avoir poussé un jeune garçon de 4 ans, Alexandre, dont elle avait la garde. On est en 89, Karine a une quinzaine d'années. Brigitte se souvient que ce petit garçon avait expliqué que sa babysitter de l'époque l'avait invité à s'approcher de la fenêtre de la maison au premier étage, l'avait même aidé à se mettre debout dans l'embrasure de cette fenêtre, et ce petit garçon racontait avoir été tout simplement poussé. Karine dit « Non, mais non, c'est pas moi, j'ai rien fait. L'enfant, si, elle m'a poussé. » Alors elle dit « Non, je sais pas ce qu'il a fait. Il est monté, il a basculé, il a voulu jouer. » La famille a un peu des doutes, mais là aussi, comme c'est un enfant qui est un peu bougeon, qui est un peu hyperactif, qui est un peu casse-cou, il monte un peu partout, bon, pourquoi pas. Il serait monté, il serait grimpé à la fenêtre, il aurait basculé. Voilà, pourquoi pas. Alexandre va avoir des blessures assez sérieuses, hein, puisqu'il va être hospitalisé 25 jours. Il va présenter un certain nombre de fractures. Et à la fin des années 80, c'était inimaginable que la petite Karine qui avait 16 ans jette le petit garçon par la fenêtre. C'est quelque chose que, je crois, les familles et la population en général ne pouvaient pas concevoir. Ce n'était pas concevable. Donc, en plus, c'était intrafamilial, ça s'est un peu arrangé comme ça, mais il ne pouvait pas porter plainte. Après les révélations choc de la sœur de Karine, les autres membres de la fratrie vont revenir, eux aussi, sur un événement troublant, survenu alors qu'elle n'avait que 14 ans. Lors de l'audition du frère et de la sœur cadette de Karine, de nouveaux faits, on va dire de même nature en quelque sorte, vont être révélés, puisque les deux vont évoquer un passage à l'acte potentiel de Karine en 87 sur un petit garçon qui avait d'ailleurs une maladie génétique grave. Hein, c'était un petit garçon qui avait du mal à s'exprimer, qui avait du mal à se déplacer, qui n'était pas autonome. Le frère et la sœur de Karine vont révéler que Karine avait manifestement brûlé au fer à repasser ce petit garçon dans le dos.
ce jour-là, dans le cadre d'une visite très classique, d'un repas, la famille de Karine vient manger dans la famille de Mathieu. Et ce jour-là, alors que les deux familles sont réunies, la mère de Mathieu va essayer de déshabiller son fils en fin de journée. Elle ne va pas arriver à enlever le t-shirt qui adhère à la peau. Et elle va comprendre, finalement, en arrivant à enlever ce t-shirt, que son fils a été brûlé au troisième degré très profondément. C'était pas une brûlure accidentelle, parce que quand on tombe sur une cheminée ou sur un fer à repasser, dès qu'on est brûlé, on a le réflexe de s'éloigner de l'objet qui vous brûle. Là, l'enfant a été brûlé au troisième degré. Il a été admis au service des grands brûlés à Lyon. Une brûlure atroce. La chemise qui collait à la peau et plus de peau. Et elle va alors immédiatement s'interroger sur ce qui a bien pu se passer dans l'après-midi, en sachant que ce petit garçon était de toute façon dans l'incapacité de se brûler tout seul. Il a de vraies difficultés à se déplacer, il a des difficultés d'autonomie. Il ne pouvait pas brancher un fer à repasser, il ne pouvait pas mettre en marche le fer à repasser et s'appliquer lui-même directement, en plus à un endroit très éloigné sur le dos, ce fer à repasser. Et immédiatement, les doutes vont se recentrer sur Karine. Karine va expliquer, bien sûr, qu'il s'agit d'une chute accidentelle de l'enfant sur le fer à repasser. Et on va se satisfaire de cette déclaration. Il n'y aura pas d'enquête judiciaire qui va être ouverte. Personne ne va dénoncer ces faits à la police ou à la justice. Karine va contester ces faits en disant qu'elle n'a absolument pas brûlé ce petit garçon, qu'il est tout à fait possible que ces petits garçons l'aient fait tout seuls, et l'affaire s'en est arrêtée là, en quelque sorte. À la gendarmerie de Belley, les enquêteurs poursuivent leurs investigations. Et plus elles avancent, plus leur attention se porte sur Karine. Les gendarmes ont fait tout un tas de vérifications. Ils ont interrogé l'entourage de Karine, sa famille, ses proches. Et l'étau s'est resserré autour d'elle. On se rend compte qu'effectivement, son passé, le fait qu'elle s'en soit prise à des enfants dans le passé, durant son adolescence, et notamment cette défenestration qui est évidemment tellement troublante. Évidemment, on se focalise maintenant sur Karine. Donc le 1er septembre 2009, les gendarmes vont chez elle, à côté d'Auxerre, et l'interpellent. Karine est surprise de ce placement en garde à vue. Pour elle, c'est un accident, c'est ce qu'elle va dire d'abord. Pour elle aussi, les choses se sont quasiment arrêtées à son départ. C'est-à-dire lorsqu'elle a quitté le Clos Morcel et Belley, cette histoire était, en tout cas dans son esprit, terminée. Et elle est effectivement particulièrement surprise de voir la gendarmerie nationale venir la chercher chez elle. Lors de son audition dans Lyon, donc Karine va expliquer qu'elle n'a effectivement pas tout dit concernant ces faits et qu'elle a vu Samia chuter par la fenêtre. Elle est retournée prendre son téléphone portable dans le salon et à ce moment-là, elle a vu la petite qui se penchait à la fenêtre de la chambre et elle a été un peu paralysée, elle l'a vu tomber, elle s'est même approchée de la fenêtre. Elle raconte qu'elle s'est penchée et qu'elle a vu la petite chuter et s'écraser au sol et qu'elle était paralysée, qu'elle n'a rien pu faire, qu'elle est retournée avec les parents, qu'elle n'a rien dit, pensant qu'on aurait pu l'accuser ou le reprocher de ne pas l'avoir retenue, d'avoir fait quelque chose. Après cette audition, les gendarmes, à la demande du parquet d'ailleurs, vont décider de ramener Karine à Belley. Il y a un certain temps de route entre Serres et Belley. Ils vont tout simplement nouer un lien humain avec elle qui va conduire Karine à poser pendant ce transfert, dans la voiture, pendant ces heures de route, qui vont l'amener à poser des questions étranges pour quelqu'un qui ne serait pas impliqué dans ces faits. Elle va interroger les gendarmes sur son devenir. Si je suis incarcérée, que vont devenir mes enfants ? Etc, etc. Comme si elle devinait à l'avance qu'elle serait incarcérée. Karine ne va pas être entendue immédiatement.
Elle va passer une nuit à la gendarmerie de Belley. La brigade de recherche va lui laisser un temps, en quelque sorte, de réflexion qui s'avérera plutôt prolifique. Parce que le lendemain, lorsqu'elle va être entendue en audition, Karine va expliquer que le 29 juillet, après le repas pris avec la famille de Samia, les parents vont aller sur la terrasse fumer une cigarette, qu'elle va rester dans le salon sur cet ordinateur, qu'elle va rejoindre un temps court les parents sur la terrasse, puis retourner dans le salon. Et lorsqu'elle est dans le salon, elle va voir dans la pièce en face Samia de dos, à proximité du lit de ses parents. Elle va s'approcher de cet enfant de 2 ans. Elle va la saisir par la taille, sans un mot, sans rien lui dire, sans raison en tout cas particulière. Elle va la soulever, s'approcher de la fenêtre. Samia est donc de dos, elle la tient comme ça, et elle va la jeter dans le lit. Le 2 septembre 2009, plus d'un mois après la mort de Samia, Karine avoue donc les faits. Le manque d'émotion qu'avait Karine après la mort de Samia et qui a troublé les proches, qui a été décrit par beaucoup de gens de sa famille et beaucoup de proches, cette émotion-là, elle n'est pas présente non plus au moment où Karine fait ses révélations aux enquêteurs. C'est-à-dire que là, elle avoue les faits. Ok, c'est moi. Mais elle s'effondre pas en larmes. Elle dit rien. Alors les gendarmes lui demandent évidemment, mais pourquoi vous avez fait ça? Vous en vouliez à la maman? Il y a quelque chose? C'est quoi l'élément déclencheur? Qu'est-ce qui vous a pris? Qu'est-ce que vous avez fait, cette petite? Enfin, je sais pas. Je sais pas, je peux pas l'expliquer, ça s'est passé, c'est tout. Voilà tout ce qu'elle dit. Karine est à ce moment-là effectivement très inquiète de l'image qu'elle va pouvoir projeter. Que penser d'une femme qui jette un enfant de 2 ans par une fenêtre sans raison, ou même avec des raisons d'ailleurs. Elle est très inquiète de ça. Elle évoque assez peu le drame qu'ont vécu les parents de Samia. Elle évoque assez peu aussi Samia elle-même. Ça paraît peut-être assez abject de ne pas immédiatement avoir un mot pour les parents, mais c'est au final assez compréhensible aussi. C'est-à-dire, elle est confrontée à sa responsabilité pénale et elle est confrontée à son avenir et elle s'inquiète évidemment pour l'avenir de ses propres enfants. Elle est mise en examen par le juge d'instruction et elle renouvelle ses aveux. Elle est incarcérée à la maison d'arrêt de Dijon. Dans la petite commune du département de l'Ain, l'émotion est à son comble. Alors le 8 septembre 2009, la famille a organisé une marche silencieuse dans les rues de Belley. C'était un événement particulièrement poignant, je crois qu'on peut le dire. Hein. Donc, la famille avait des fleurs blanches et moi j'ai vraiment un traîné de souvenirs de cette maman. Elle avait un voile. Et c'est vrai que pendant tout le temps de cette marche, qui a duré quand même facilement une petite heure, elle avançait vraiment comme une ombre. Moi, ça me faisait penser vraiment à un tableau, à ce qu'on appelle une mater dolorosa. Vous voyez, c'était vraiment toute la peine de la mère qui avait perdu son enfant. La famille de Karine, son frère, ses sœurs, seront présents. Apporteront leur soutien à ceux qui sont les victimes de leur propre sœur. C'est un moment de grande solidarité. C'est un moment très fort qui a été vécu comme tel par la ville de Belley et par les parents de Samia. Et cette présence, oui, a été soulignée. C'est important, effectivement. Mais 3 mois après le drame, alors que l'instruction suit son cours et que la famille de Samia tente de faire son deuil, Karine revient sur ses aveux. Dans ce crime vraiment qu'on peut qualifier de pire crime qui puisse exister, enfin avoir tué une enfant de 2 ans, elle reporte une fois de plus la responsabilité sur quelqu'un d'autre. Elle va écrire une lettre au juge d'instruction pour se rétracter, dire qu'elle n'est pas coupable,
qu'elle a voulu endosser la responsabilité pour le compte du père de Samia, qui, dit-elle, était sous le coup de produits stupéfiants et sous l'emprise de produits stupéfiants aurait commis ce geste accidentel sur Samia. Elle dit qu'il est arrivé dans l'appartement, qu'il était ivre, qu'il avait fumé du chichon, je crois que c'est le terme qu'elle emploie, pris de la cocaïne, qu'il avait pris la gamine sur ses épaules pour jouer et qu'elle était tombée et qu'ensuite il l'avait menacée, c'est les mots qu'elle emploie, hein, menacée en disant « dis que c'est toi, sinon je vais te tuer », etc. Et ça, elle l'écrit noir sur blanc au juge, quelques mois après les faits. C'est une accusation absolument inadmissible qu'elle porte à ce moment-là contre le père même de Samia, qui vit un drame absolu. Et le magistrat instructeur va évidemment décider de la réentendre rapidement pour qu'elle puisse étayer cette nouvelle version qu'elle entendait servir à la justice. Mais dès qu'elle est entendue par le magistrat instructeur, sans doute excellemment conseillée aussi, elle va dire que tout ça, c'est pas vrai, que c'est bien elle, qu'elle a écrit ce courrier à un moment où elle était perdue et qu'il fallait évidemment mettre cette version de côté qui n'était absolument pas la réalité. Elle va revenir sur sa version d'origine en admettant sa responsabilité. Au même moment, Brigitte, la sœur de Karine, se présente de nouveau à la gendarmerie de Belley. Elle a des révélations à faire concernant son fils, Yanis. Elle dit qu'il y a 4 ans auparavant, en 2004, mon fils a été victime d'une piqûre d'insuline. Il est tombé dans le coma, il a été en réanimation pendant plusieurs semaines. Le pronostic vital était engagé. Et je suspecte ma sœur Karine de lui avoir injecté cette piqûre. C'est une nouvelle enquête qui est ouverte. Tout simplement pour se garder la possibilité de faire une garde à vue, puisqu'on a vu que sur les premiers faits, cette garde à vue avait prospéré. Donc on garde un cadre judiciaire nous permettant de faire une garde à vue par la suite. C'est un dossier très compliqué, puisqu'on sait des faits qui ont plus de 5 ans. Karine n'habite plus dans l'appartement où les faits ont lieu. Elle va être entendue sur ces faits-là. Elle va les contester fermement, en disant que c'est sans doute son propre enfant, son propre fils qui, pour jouer au docteur, aurait piqué son cousin avec cette seringue. Donc les enquêteurs vont décider de 2 choses. De d'abord, évidemment, réentendre tout le monde, ce qui va être assez intéressant. Et ensuite, de travailler sur l'acte d'injection en tant que tel. C'est-à-dire, est-ce qu'un enfant de l'âge de Florian à l'époque est en capacité d'injecter de l'insuline à un petit garçon? Ils se rendent compte que tous les témoignages concordent, est rangé son insuline tout en haut du frigo. Et là, il s'avère que c'est impossible que l'enfant de Karine présent ce jour-là, qui avait 5 ans, était trop petit. Il n'aurait pas pu se saisir de ce stylo à insuline où il était rangé et de s'en servir. D'autant plus que c'est un système assez compliqué. Il faut déverrouiller un cran, appuyer, enlever un capuchon. Donc ils en déduisent que non, un enfant n'a pas pu faire ça pour jouer, comme Karine semble le dire. Et elle va à nouveau incriminer une nouvelle personne. C'est sa sœur Brigitte. Elle va dire, à mon avis, si c'est pas moi. Vous me dites que Florian n'était pas là, c'est pas Florian. Donc si ce n'est pas moi et si c'est pas Florian, c'est forcément la propre mère de Yanis qui a opéré cette injection pour une raison que je ne peux pas vous expliquer. Elle va dire, vous savez, parfois les gens font des choses étranges. Ce qui est dans la bouche de Karine, assez savoureux quand même, mais c'est ce qu'elle va dire. Elle va accuser sa sœur. Donc Karine, évidemment, on s'interroge sur son passé, hein. pas que sur les faits qu'elle a pu commettre, mais également ce qu'elle a pu vivre. Et elle décrit une enfance, une adolescence au sein d'un foyer où la situation était difficile, parce que son papa, qui était un ancien ouvrier, travaillait dans le BTP, je crois, était en longue maladie. C'est à ce moment-là où ils sont venus s'installer d'ailleurs dans le Bugey, dans des petits villages autour de Belley. Elle raconte que le papa était violent. Elle a eu le sentiment pendant toute son enfance d'être en quelque sorte mise à l'écart de la famille, de ne pas être considérée comme ses frères et sœurs, d'être en quelque sorte l'enfant qu'on n'aimait pas. Elle va décrire une enfance à la Cosette, où elle travaille
véritablement à plein temps pour la bonne tenue de la maison, s'occupant des repas, du ménage, de ses frères et sœurs. Elle a joué le rôle tout simplement de mère, de femme de ménage, d'intendante, qu'elle a eu une enfance quasiment inexistante de ce fait-là. Ses deux sœurs et son frère n'ont pas tout à fait la même vision des choses. Hein. Eux, ils parlent effectivement de leur maman qui était battue, de certaines difficultés dans le foyer, mais pas véritablement de violence sur eux. Elle ment complètement, elle fabule, elle se fait le film, elle raconte une histoire dans laquelle elle est l'héroïne. Et ses frères et sœurs disent que c'est faux, qu'elle n'a jamais été maltraitée, qu'elle n'a jamais été rejetée, qu'elle n'a jamais été moins aimée que les autres. En plus, c'est un peu bateau de toujours dire que les gens ont des problèmes parce qu'ils ont eu une enfance difficile. Beaucoup d'entre nous, nous avons eu des enfances très difficiles. Et c'est pas pour ça qu'on devient criminel, qu'on devient meurtrier, assassin ou autre. Donc c'est un raccourci qui passe chez les mauvais avocats aux assises, mais qui, au niveau psychologique, ne s'exprime pas sous ces termes. Si Karine a multiplié les petits boulots tout au long de sa vie, à 36 ans et au chômage depuis 2 ans, elle semblait se satisfaire de sa situation. C'est plutôt son oisiveté qui est décrite. Hein. Depuis quelques années, elle vivait plutôt de l'allocation d'aide sociale, elle travaillait plus trop. Il y avait tous ces petits larcins, ces escroqueries avec ses chèques volés. Karine, c'est quelqu'un de fragile. C'est difficile à dire quand on repense à l'acte qu'elle a commis. Mais c'est une écorchée de la vie. Elle s'est vite retrouvée dans l'incapacité d'élever 3 enfants avec de faibles moyens, avec cette structure psychologique démantelée. Et donc, bien sûr, les services sociaux se sont inquiétés et ont pris en charge les enfants pour les éloigner à un moment donné de cette mère qui était dans l'incapacité de s'en occuper. Ce qui n'a pas empêché Karine de toujours aimer ses enfants. Aimante avec ses 3 enfants, elle aurait même dû en avoir un 4e, mais un tragique événement l'en a empêché. En 2000, Karine fait une fausse couche à 6 mois et demi de grossesse. C'est extrêmement important la perte de cet enfant dans la trajectoire de Karine pour expliquer peut-être ses passages à l'acte. Mais elle va expliquer que la mort d'Anthony, c'est comme ça qu'elle le dit, n'est pas du tout liée à son propre comportement, mais qu'elle a été victime de violences conjugales. Les explications médicales et de son entourage sont tout autres. Alors ils disent que c'est plutôt sa faute, c'est-à-dire que cette Karine est diabétique, donc il fallait vraiment qu'elle prenne son traitement régulièrement, qu'elle surveille son alimentation, qu'elle surveille son poids. Sa grossesse est une grossesse à risque. Elle est suivie par les médecins et elle va progressivement se soustraire de ce suivi médical. Elle ne va pas respecter les propositions médicales, en tout cas les injonctions médicales qui lui sont faites, notamment sur le fait d'arrêter une activité, de réguler son alimentation, de prendre son traitement à l'insuline avec des tempos clairs et marqués. Et elle va perdre cet enfant. Elle va lui donner un prénom, Anthony. Elle va accoucher d'un enfant mort-né. C'est quelque chose qui, visiblement, l'a marqué parce que sur les réseaux sociaux, on sait que quelque peu de temps avant les faits, elle avait mis la photo de la tombe de cet enfant sur son profil. Elle avait même mis une mention qui disait grosso modo qu'il n'y a rien de mieux que de serrer un enfant dans ses bras. Et c'est une phrase qui, a posteriori, avec la mort de Samia, évidemment, prendra tout autre tonalité. Alors dans cette affaire, Karine ne livre pas de mobile, ne livre pas d'explication. Donc bien évidemment, on attend une réponse. Donc ce qui s'avère primordial, c'est les expertises psychologiques, psychiatriques. Il y en a 2. Il y a une expertise et une contre-expertise qui est faite. C'est une femme qui a abordé la situation d'examen sans aucune difficulté, hein, qui a bien compris pourquoi on l'a rencontrée. Elle pense qu'elle ne peut pas être capable d'avoir commis un tel acte. En même temps, elle sait très bien qu'elle était seule à ce moment-là avec l'enfant et que, visiblement, c'est quand même
une des possibilités majeures qu'elle soit à l'origine de l'acte. Elle est vraiment dans une espèce de dénégation, mais voilà, de reconnaissance, de non-reconnaissance. Elle est un peu dans cet entre-deux. Les experts relèvent que manifestement, cette femme n'est pas prise dans des phénomènes délirants, qu'elle est en prise avec la réalité, qu'elle comprend les interdits. Les psychiatres expliquent que Karine nourrirait un lien étroit entre le mal et l'enfance. Alors, c'est lié à la façon dont elle a vécu elle-même son enfance. C'est lié également à ce déficit d'intérêt qu'elle explique avoir subi, en tout cas vécu, lorsqu'elle était beaucoup plus jeune. Et manifestement, elle supporte assez mal de ne pas être au centre des attentions des autres. Et elle supporte de fait assez mal d'être avec des enfants qui sont eux-mêmes au centre des attentions des autres. Pour elle, l'enfant est quand même source plus ou moins de malheur, quoi. Je pense qu'il fait obstacle à son bonheur. Il faut annuler l'enfant parce qu'il est... Il est source de malheur pour elle. Quand on regarde un peu sa trajectoire, c'est surprenant. En juin 2010, près d'un an après la mort de Samia, une reconstitution des faits a lieu dans l'appartement de Vanessa. J'ai prévenu Karine que le moment allait être très douloureux, qu'il y aurait d'abord un accueil violent. Ça a été le cas, puisqu'on a entendu des cris à mort, avec un cordon de sécurité digne d'une reconstitution d'un acte terrorisme. C'est surtout un face-à-face. Un face-à-face dans une pièce fermée entre les parents de Samia et Karine. Et c'est évidemment très difficile. Karine va adopter une position de retrait. Elle va refuser de faire les gestes. Si Karine refuse de coopérer physiquement à la reconstitution, elle confirme avoir déplacé la chaise sous la fenêtre du salon. Si elle déplace cette chaise, si elle la met sous la fenêtre, c'est qu'elle a parfaitement conscience qu'il va y avoir une enquête. Elle sait qu'il va y avoir des vérifications, elle sait qu'il va y avoir des investigations, elle sait qu'il y a un péril pénal. Et elle sait dès lors que ce qu'elle a commis est totalement interdit et parfaitement dramatique. Le 21 septembre, le procès de Karine s'ouvre devant la cour d'assises de l'Ain. Elle doit répondre du meurtre de Samia et de la tentative de meurtre de Yanis, son neveu. Les affaires de Mathieu et Alexandre sont quant à elles prescrites. Il y a une grande tension, hein, parce que tous les proches de la famille de Samia ont revêtu un t-shirt à peu près identique avec imprimé une photo de l'enfant. C'est une affaire tellement particulière. Bon, le meurtre d'un enfant, c'est quand même pas tous les jours que ça arrive, et puis surtout, tout le monde est là, tout le monde attend des réponses. Hein. Lorsque Karine arrive dans le box des accusés, peu de gens la reconnaissent. Elle est transformée physiquement. Elle s'est épaissie, le regard fuyant. Il y a un silence impressionnant. Tous les regards sont fixés sur elle. Et d'emblée, le ton est dur. Et j'ai demandé à Karine de tenter d'apporter des éléments de réponse. J'ai également dit à Karine que le procès était nécessaire pour elle, parce qu'il lui permettrait de savoir où elle en est. Elle était prête. Elle était prête. Craintive, apeurée, prête. Son seul soutien, c'était moi. Et elle passe, on va dire, les deux jours de procès sans dire grand-chose. Elle parle d'une voix blanche, sans émotion. Elle parle d'elle, de son enfance. Elle confirme des choses. Elle dit oui, elle dit non. Elle dit je sais pas. Mais elle passe un peu à côté de son procès, là, clairement. Oui. Lorsque la mère de Samia dépose à la barre, effectivement, elle dépose avec beaucoup de dignité et explique avec beaucoup de clarté son malheur. Elle explique aussi le drame que vivent ses enfants, et notamment un de ses enfants,
Dimitri qui ne comprend pas l'absence de sa sœur, qui se sent responsable, oui, presque coupable de la mort de sa petite sœur et qui souhaiterait que l'ensemble de la famille la rejoigne. C'est un grand moment, un grand moment de dignité et de souffrance. À la barre, Vanessa interpelle Karine. Mais son ancienne amie ne parvient pas à expliquer son geste. Dans notre humanité à chacun de nous, il y a aussi cette composante-là. On a aussi des perversités. On a aussi des traits de personnalité qui peuvent parfois nous amener à commettre des actes dramatiques, gravissimes. Et cette femme, elle s'est construite, c'est des traits de personnalité. C'est pas une maladie mentale, c'est des traits de personnalité, c'est sa personnalité qui s'est construite sur cette détestation de l'enfant. Elle a tué cet enfant en connaissance de cause. Elle n'était pas poussée par une force extérieure. Son lien à la réalité n'était pas altéré. Elle n'avait pas de pathologie mentale. Tous les médecins le disent. C'est une femme qui a commis un acte inhumain. Voilà. Et donc, quand on arrive au terme de ce procès, le président de la cour d'assises, il se tourne vers elle et il leur pose la question, mais d'une manière, on va dire, un peu indirecte, un peu détournée, qui est assez habile, finalement. C'est-à-dire qu'il lui dit, écoutez, Karine, si demain soir, la cour et le jury vous déclarent coupable de la tentative d'empoisonnement de votre neveu, est-ce qu'elle aura commis une erreur judiciaire? Et là, Karine, on sent une petite hésitation, elle hésite quelques secondes et dit non. Ce sont des aveux indirects. Bien que les affaires de Mathieu et Alexandre soient prescrites, le président de la cour tente d'obtenir des réponses. Il poursuit, le fer à repasser, l'enfant handicapé brûlé dans le dos, cet enfant qui avait 4 ans, vous avez poussé, vous avez défenestré. Oui. Je ne nie pas. Je ne nie pas, Eddie. L'audience s'est déployée sur 3 journées. À l'issue donc, de ces 3 jours, on pouvait tous considérer que Karine reconnaissait les faits. J'ai requis 30 années de réclusion criminelle la concernant. Et la cour d'assises a délibéré sur cette affaire et a rendu une décision conforme aux réquisitions qui avaient été sollicitées. Une condamnation donc, de 30 années de réclusion criminelle sans obligation de soins. Karine n'a rien dit. Je me suis tourné vers elle. Je lui ai dit, faites appel. Faites appel. Elle est partie silencieusement. Sur les conseils de son avocat, Karine fait appel. Mais après quelques jours de réflexion, elle renonce et accepte finalement sa peine. La famille de Samia, quant à elle, sortira de ce procès avec une immense frustration, celle de ne pas savoir pourquoi leur fille est morte. On ne peut pas forcer la réponse et la question du pourquoi. Si on pouvait sonder les âmes et sonder l'âme de Karine, on l'aurait fait. On aurait extirpé de son cœur les raisons de ses passages à l'acte, mais on n'a pas encore les moyens techniques de le faire. Et la seule personne qui pouvait les apporter, c'est elle, ses réponses. Elle ne l'a pas fait, elle le fera peut-être un jour. Je l'espère pour les parents de Samia, je l'espère aussi pour Brigitte, pour la mère et le père d'ailleurs de Yanis. Mais Karine était soit dans l'incapacité de répondre à ses questions, soit souhaitait garder ses réponses secrètes. C'est comme ça.
Saint-Mittre-les-Remparts est un petit village, comme il y en a beaucoup en Provence, qui finalement est organisé autour d'une place principale où tout le monde se retrouve. Et ce soir-là, le drame s'est noué autour de cette place, en plein cœur de l'été. Ce soir du 16 juillet, aux environs de minuit, minuit moins le quart, plusieurs témoins entendent un grand bruit, un grand fracas qui déchire un peu la nuit. Il y a une personne qui sort immédiatement dès qu'elle entend le bruit et qui constate qu'une voiture est encastrée contre la clôture d'une villa. Il voit surtout un homme avec le haut de son corps à l'intérieur et le bas de son corps à l'extérieur, coincé entre la rambarde, la portière et le véhicule. Et la victime est en train de suffoquer au moment de l'arrivée des premiers intervenants. Les pompiers arrivent, ils pensent à un accident, parce que c'est ce qu'on leur a indiqué. Donc leur priorité, c'est de dégager le corps et de tenter de ranimer la victime. Et il est en arrêt cardio-ventilatoire. Il est éraflé sur toute la partie gauche. Les pompiers, comme leur premier réflexe a été, après avoir bougé la voiture, de tirer la victime, la première pensée des pompiers, c'est nous, en le traînant, qui l'avons blessé. On l'emmène à l'hôpital européen. Il est dans le coma. La victime n'est pas connue de la part de ses témoins. En revanche, on retrouve dans son véhicule des éléments qui permettent de l'identifier, notamment ses papiers d'identité. À 56 ans, Bernard est célibataire et n'a pas d'enfant. Depuis maintenant une trentaine d'années, il vit dans un foyer de travailleurs à Istres. C'est un monsieur qui est très gentil, qui est décrit par sa famille comme un nounours. Mon frère, comment je vais le décrire? Une personne simple, très nature, qui vit avec ses moyens. C'était quelqu'un qui avait un gros cœur, toujours prêt à aider les prochains, ses proches, sa famille, avec ses moyens, lui bien sûr, travailleur, le gros nounours, on va dire. C'est quelqu'un qui est décrit par son employeur comme un monsieur extrêmement sérieux, toujours ponctuel et toujours très gentil parce qu'il est chauffeur de navette et il est toujours très gentil avec les jeunes du village. C'est quelqu'un qui aime s'aviner les week-ends. Son loisir favori, semble-t-il, c'est faire la tournée des bars le week-end dès qu'il a terminé son service. Et ici, on l'appelait tantôt Bernardo, tantôt Bernardoche. Donc voilà, quelqu'un qu'on connaît bien quand même dans les bars de Saint-Mittre. Il n'a jamais eu la joie, le bonheur de goûter aux belles choses de la vie. Parce que financièrement, quand on n'a pas les moyens, c'est compliqué. Mais il n'a jamais demandé une pièce à qui que ce soit. Il s'est toujours débrouillé par lui-même, tout en son honneur. Originaire d'Alsace, Bernard est très proche de son frère Jean-Marc, qui vit toujours dans l'est de la France. C'est un monsieur très solitaire, qui est très discret, qui parle peu de sa vie, qui ne s'épanche pas beaucoup. Quasiment tous les dimanches soirs. Je savais qu'à 8h, quand le téléphone sonnait, enfin à 20h, je savais que c'était Bernard. Donc forcément, je disais à mon ex-épouse, quand j'étais encore marié, ou à ma conjointe actuelle, voilà, il y en a pour une heure. Vous savez. Dans la nuit du 16 au 17 juillet, Jean-Marc est alerté. Son frère Bernard vient d'avoir un grave accident de la route. On m'a téléphoné au boulot. On m'a dit voilà, Bernard, il a eu un accident. Il est à Marseille. Il est entre la vie et la mort. Je ne sais pas s'il va s'en sortir. Il faut que tu viennes le plus rapidement possible.
alors que Bernard est entre la vie et la mort à l'hôpital européen de Marseille. Les policiers arrivent sur les lieux de l'accident. La voiture qui est toujours encastrée dans le mur de la villa, elle est complètement défoncée tant à l'avant gauche qu'à l'avant droit. Le pare-choc est défoncé et le moteur tourne. La clé est coincée dans le Neyman. Il constate côté passager à l'avant du véhicule la présence d'une petite hachette et divers objets ainsi qu'un gilet jaune fluo. Les premières auditions des premières personnes qui interviennent sur les lieux n'apportent rien, puisqu'elles vont toutes décrire la même chose. On a entendu un grand boom, on s'est rendu sur les lieux et on a vu cet homme-là coincé entre la rambarde et son véhicule. En interrogeant les témoins sur place, mais également le patron de Bernard, les policiers tentent d'établir son emploi du temps. Pour Bernard, c'est une journée classique. Il commence sa matinée, il est un peu plus de 7h du matin, il va travailler. Il est chauffeur de bus pour les navettes gratuites de la ville d'Istres. Et il travaille jusqu'à 14h12 à peu près, il termine son service. Après, nous avons quand même une période entre guillemets de blanc, puisqu'on ne sait pas comment va se dérouler l'après-midi, on n'a aucune indication. Il prend sa voiture et il va faire la tournée des bars. Et c'est quelque chose d'un peu rituel pour lui. On ne sait pas véritablement vers quelle heure arrive la victime dans le centre de Saint-Mitre. Ce qu'on sait, c'est que vers 22h30, il entre dans le bar de la place du village. 2 heures seulement après son arrivée dans le bar, Bernard est découvert inanimé près de sa voiture. On pense qu'il a fait un malaise cardiaque en étant au volant, mais la position du corps mettant en doute un accident. Le corps, il a les jambes qui sont à l'extérieur du véhicule et l'autre partie du corps à l'intérieur. C'est un peu curieux comme position pour conduire une voiture. On commence à se poser des questions. Le lendemain de son accident, Bernard meurt à l'hôpital européen de Marseille, des suites de ses blessures. Malheureusement, il est décédé. J'ai pas eu le temps de le voir. Une autopsie va alors être effectuée pour établir les raisons de son décès. Le taux d'alcoolémie va révéler 1,46 g d'alcool dans le sang. Ça veut dire bien évidemment que lorsqu'il a été amené à l'hôpital européen, le taux était plus élevé, puisque le taux baisse au fur et à mesure. Là, il avait bu beaucoup plus que de raison. Il y a une autopsie qui est réalisée par le médecin légiste et qui va conclure à une compression de la cage thoracique qui va entraîner un arrêt cardio-respiratoire et qui va entraîner le décès, malheureusement, de la victime. J'ai été convoqué chez la commissaire. Donc malheureusement, il y avait un dossier qui était ouvert sur la table avec des photos et j'ai pu jeter un œil et j'ai vu son corps. J'avais compris. La violence, ce qu'il a dû subir. Excusez-moi. Des questions vont se poser parce qu'encore une fois, ce n'est pas un problème cardiaque, c'est bien un problème d'asphyxie qui manifestement trouve sa cause dans le fait que la malheureuse victime a été comprimée entre le véhicule et le mur. Et dans ce cas-là, la question va se poser de savoir dans quelles conditions elle a pu être amenée à se trouver ainsi dans cette position. Il y a des traces rouges, des écorchures, des abrasions au niveau des genoux. C'était comme si c'était quelqu'un qui s'était traîné, qui avait traîné ses genoux au sol,
alors qu'une autre personne conduisait. Et c'est ce qui est aussi noté par le médecin et qui permet aussi de questionner sur la façon dont les faits se sont véritablement déroulés. Et les enquêteurs vont immédiatement arriver à cette conclusion. Ce qui était apparu initialement comme un accident cache en réalité un crime et l'objet de l'enquête va dès lors de cerner les circonstances et les responsabilités dans la commission de ce crime. Dès lors, les policiers d'Istres entendent le patron et les employés du bar dans lequel la victime a été vue ce 16 juillet. Il y a des serveuses dans le bar qui sont présentes et l'une d'elles expliquera avoir vu Bernard entrer passablement énervé et tenait une hache, qui est en fait une petite hache. Le gérant du bar explique que Bernard semblait déjà alcoolisé, qu'il a bu deux pastis au sein de son bar et que la victime lui a demandé s'il connaissait justement un jeune homme qui semblait lui faire peur et qui le cherchait depuis quelques heures au sein du village. Avec ce témoignage, les policiers savent désormais que ce soir-là, Bernard craignait un homme. Mais une autre révélation va s'avérer déterminante pour l'enquête. Lors de leur deuxième audition, certains témoins reviennent un petit peu sur leur déclaration initiale, notamment celui qui s'avérera être le témoin principal et qui explique en fait que antérieurement au grand bruit qu'il a entendu, il avait entendu des éclats de voix comme une dispute entre deux hommes et il a tout de suite reconnu la voix de celui qui sera identifié plus tard comme étant Valentin. Il est torse nu et il est très énervé. Le témoin central descend alors dans la rue. Il essaye de s'expliquer avec le jeune homme en lui disant « Il faut que tu partes de là, qu'est-ce que tu as encore fait ?» Et là, Valentin lui dit, lui explique qu'il est poursuivi par un homme armé d'une hache. Le témoin ne voit personne, il retourne chez lui fumer une cigarette et voit à ce moment-là Valentin courir vers une voiture qui était garée sur la chaussée, mais moteur allumé, portière ouverte. Donc il voit Valentin entrer dans la voiture et crier quelque chose comme « Je vais t'aider ta bagnole, sale fils de pute », quelque chose comme ça. Au moment où Valentin est dans la voiture et où il enclenche la première, le témoin voit un autre homme, cette fois, courir vers le véhicule et s'agripper à l'habitacle, à la portière. Et la voiture quand même démarrer, il voit bien que Valentin enclenche la première. La voiture roule sur une trentaine de mètres et brusquement change de direction, part sur la gauche et va s'encastrer dans le mur de la villa. Ces nouveaux éléments et ce témoignage clé amènent les enquêteurs à s'intéresser de plus près à Valentin. C'est une personne qui n'a pas réussi à faire des études. Il a tenté de faire le travail de boulanger. Mais à ce moment-là, il enchaînait les petits boulots. Il boit de l'alcool avec des copains pour passer du temps. Ça, c'était le côté positif, mais il est également décrit comme quelqu'un de turbulent dans le cadre du village. Il est issu d'un milieu populaire. Bon, son père avait déjà eu des problèmes avec la justice. Il est décrit par sa mère comme étant un fugueur, assez immature. Hein. Et il a eu des ennuis avec la justice. Il a eu des comportements violents avec ses compagnes aussi. Quasi-judiciaire, condamnation. C'est une des raisons pour lesquelles, effectivement, il est connu à l'intérieur de Saint-Mitre. En plus du témoin principal, une autre personne accable Valentin. Il s'agit de son ex-petite amie qui a passé une partie de la journée du 16 juillet avec le suspect.
Elle était avec Valentin depuis le milieu d'après-midi. Même s'ils étaient séparés depuis 2 mois, ils avaient souhaité se voir pour faire un petit peu le point sur leur relation amoureuse qui, par le passé, avait été très tumultueuse. Dans la soirée, alors pareil, ils se retrouvent au bar. Et en fait, il est interdit de bar à Saint-Mitre, faut le savoir, parce qu'il avait créé quelques incidents antérieurement. Donc il est interdit de bar, ce qui veut dire qu'il reste dehors. Après, il se retrouve seul avec elle, à l'extérieur du bar. Il essaie de terminer les cubis. Et très rapidement, elle dit qu'elle voit la victime s'adresser à eux et venir réclamer à Valentin des explications pour des insultes qu'il aurait proférées précédemment. Mais elle n'en sait pas plus. Et elle relate comment Valentin était vis-à-vis de Bernard, et l'attitude qu'il avait, l'attitude très fanfaronne et très agressive vis-à-vis de Bernard. Elle dit que la victime est apeurée, parce que Valentin, c'est quand même un beau jeune homme, grand jeune homme, gaillard, musclé. Et ben, la victime, c'est une personne de 56 ans. Et elle essaie de raisonner Valentin, qui, lui, veut en découdre. Le terme est peut-être un peu fort, mais c'est un peu l'idée qu'elle a. Et comme elle connaît Valentin, elle sait que c'est quelqu'un qui peut être violent et qui part très vite, elle décide elle-même de le quitter ce soir-là et de rentrer chez elle. Ils se perdent de vue et ensuite, effectivement, donc Bernard finit au bar à 23h et fait part de ses craintes au gérant du bar. À partir de là, les enquêteurs vont sceller leur conviction, en tout cas sur sa suspicion, et vont l'interpeller, Valentin, au domicile de son père, où il avait décidé d'aller vivre après les faits. Quand il l'interpelle, le premier réflexe de Valentin, c'est de nier les faits. Il a simplement, comme tous les autres, entendu un bruit, qu'il est venu donner un coup de main aux pompiers pour extraire la victime du véhicule. Avant, petit à petit, de reconnaître progressivement ce qui s'est passé tout en minimisant. La version des faits de Valentin, elle est cohérente par rapport aux différents témoignages où il explique que ce jour-là, comme les jours précédents, il est dans son village sur la place, qu'il a été importuné, alors pour des raisons qu'on ignore, par un monsieur d'une cinquantaine d'années, que ce monsieur, à l'issue d'une première altercation, l'a recherché dans le village muni d'une hache, et ce à plusieurs reprises. Et puis qu'à l'issue de ses recherches, il ne l'a plus vu. Et lorsqu'il était avec sa petite amie sur la place du village, ce monsieur serait revenu pour l'importuner une nouvelle fois. Valentin explique qu'une fois que son ex-compagne est partie, il est resté dans le village. Il avait déjà croisé la victime à plusieurs reprises. Et il avait déjà commencé à fumer, puisqu'il a avoué ce jour-là avoir fumé 5 joints. Il avait bien bu déjà depuis la fin de l'après-midi. Il a continué de boire. Il est allé à l'arrière du bar principal du cœur du village. Et en fait, il a passé l'essentiel de sa soirée à terminer les cubis qui étaient jetés à l'arrière du bar. Aux environs de minuit, Valentin quitte les lieux. C'est alors que quelques mètres plus loin, il croise une nouvelle fois la route de Bernard. Comme rapporté par le témoin principal, des insultes fusent entre les deux. Valentin voit la voiture moteur allumé et explique qu'il a comme vrillé dans sa tête. La seule chose à laquelle il a pensé, c'est embêter, comme il le dit, je vais te niquer la bagnole, sale fils de p***. Il prend la voiture et il démarre, mais sans avoir une idée bien précise de ce qu'il va faire avec. Et puis, la victime s'est accrochée au véhicule et lui a fait perdre le contrôle du véhicule, qui est venu s'encastrer dans le mur. Lui-même, dans ses explications, ne comprend pas, puisqu'il dit « Ce monsieur, moi, je ne le connais pas, il ne me connaît pas. On n'a jamais eu d'altercation avant, mais il est arrivé fortement alcoolisé dans le village et a décidé de m'injurier pour des raisons que j'ignore, en tout cas qu'il n'a pas expliqué. Enfin, il n'a pas donné d'explication, en tout cas, sur l'origine de cet événement. »
Vous êtes face à deux personnes vraiment d'âge totalement différent, qui n'avaient pas de raison de se rencontrer et de se côtoyer, mais vraiment aucune raison. Et donc ce qui choque, c'est oui, effectivement, cette espèce de violence gratuite, d'arriver à cette extrémité, à un acte, alors qu'il n'y avait pas de motif, il n'y avait pas de haine, de harme, ils ne se connaissaient pas. Pour moi, la souffrance, elle aurait été moins dure à accepter si on lui aurait tiré une balle dans la tête. Là, il a été traîné sur 30 mètres. Je ne sais pas si vous imaginez, 30 mètres. Il a été traîné contre un mur. Jusqu'à ce que sa cage thoracique éclate. Et qui entraîne naturellement AVC, perte de connaissance et puis la mort, quoi. Et on va me faire croire que ce n'était pas intentionnel. Ok, ça va rien comprendre. Quand je suis arrivé au tribunal et que j'ai vu que la partie adverse était là, j'ai eu un choc. Parce qu'en fin de compte, la personne en question était là, non seulement sans bracelet, sans menottes, sans rien du tout. En fin de compte, il était à mon ego, il était comme moi. Il se promenait, il allait aux toilettes, il faisait ce qu'il voulait, il était libre en fin de compte. Il comparait libre sous contrôle judiciaire parce qu'entre-temps, il y a une requalification des faits. Il ne comparait plus pour homicide involontaire, mais pour violence involontaire ayant entraîné la mort. Donc ça ne justifiait plus qu'il reste en détention. Et d'ailleurs, c'est quelqu'un de complètement transformé qui a aussi décroché un travail, un CDI. Il travaille dans une boulangerie et ça se passe très bien. Il a une nouvelle copine. Il a conscience depuis longtemps de la situation dans laquelle il se trouve et des faits qui lui sont reprochés. C'est un moment difficile pour lui, il ne cache rien. Il répond aux questions du président avec une certaine émotion, la voix tremblante. Et à aucun moment il ne regarde la partie civile, il pleure souvent. Quasiment chaque fois qu'il prend la parole, il finit en larmes et ses mots sont mal assurés. L'attitude de Valentin touche les jurés. Et au cours de l'audience, les débats vont prendre une nouvelle tournure. Les avocats de la défense vont notamment pointer du doigt le fait que Bernard était armé d'une hache. Mon frère n'a tué personne. Il a tué personne. Jusqu'à preuve du contraire, on a pu prouver qu'effectivement qu'il était alcoolisé, lourdement. Mais à ma connaissance, il n'a tué personne. Hein. Ça a été le procès de mon frère, de son alcool, de soi-disant la hache qu'il avait en main. Ça n'en est pas servi, je précise, il n'en est pas servi. Le plus marquant dans ce procès, à mon sens, c'est le fait qu'on aurait pu éviter ce drame. Parce que avant la mort malheureuse de Bernard, il y a eu toute une série de personnes qui ont vu un homme avec une hache, en train d'en chercher un autre. Et pas une fois, l'une de ces personnes n'a la présence d'esprit d'appeler la police. Et de l'avis général, il aurait suffi d'un coup de fil pour éviter un terrible drame. Après 4 heures de délibéré, le verdict est révélé. C'est un verdict très rare qui a été rendu par la cour d'assises. Parce que l'avocat général avait requis 15 années de réclusion criminelle. La cour d'assises, après nous avoir entendus en défense, a suivi notre argumentation qui ne visait pas à exonérer Valentin de toute responsabilité. Le président prononce 7 ans de prison, dont 4 avec sursis probatoire. C'est le soulagement dans les rangs de la défense. Mais même à ce moment-là, Valentin a la même attitude que les 3 jours durant. Il reste contrit, la tête baissée, tout juste un regard vers sa maman, mais pas d'effusion, rien de tout ça. Je suis horrifié. Il n'y a pas de mots pour ça.
Moi, je m'attendais à 10 ans ferme. C'est ce qu'il méritait. Mon frère n'avait pas 95 ans ou 98 ans ou qu'il avait encore 3 ans à vivre. Il était à 3 ans de la retraite. Il avait au moins 15 ans encore à vivre, voire 20 ans. Qui sait ? Il a perdu sa vie. La personne qui a fait en sorte qu'il ne soit plus là, elle a purgé 1 an et demi de prison, vous vous rendez compte ? Moi, ça m'a détruit une partie de ma vie. Il y a 5 ans, il aurait dû être là. Je ne descendais pas souvent en Provence, hein, mais quand j'y allais, on se voyait. C'était festif, on allait au restaurant, on buvait un ou deux verres ensemble. Voilà, c'était... Le dimanche soir me manque. J'ai ce sentiment d'injustice. Et je pense pas que j'aurai toujours au fond de moi. Ça ne m'empêchera pas de vivre, hein, parce que la vie continue, bien sûr. Mais c'est compliqué. Au quotidien, c'est compliqué. Il n'y a pas un moment, hein, j'ai des photos de mon frère chez moi, dans ma chambre à coucher, sur le chevet, hein, au salon, il est là, il est avec moi. Il est là. Et que je l'aime.